Bonjour Internet, bonjour les amis, c'est Cass, bienvenue sur une vidéo gameplay découverte de Knights in Tight Space, un jeu que vous pouvez vous aussi déjà tester gratuitement. Il y a la démo disponible, lien en description, c'est sur Steam, vous cliquez dessus, vous téléchargez la démo et vous amusez comme moi. Et sinon vous le mettez aussi en wishlist, comme ça vous saurez quand le jeu sortira. Il n'y a pas de date de sortie qui est disponible pour le moment. Vous allez voir, c'est un tactical deck building, un jeu dans lequel vous allez gérer des chevaliers qui vont combattre dans une campagne scénarisée. Donc vous allez gérer votre équipe entre les combats, vous allez gérer leur équipement et bien sûr leur carte, le deck building, pour pouvoir lancer les combats, les actions durant les phases de fight. Le jeu est très prometteur, j'adore la direction artistique, ce côté un petit peu bande dessinée, un petit peu jeu de plateau, bref, c'est que du bon. C'est une petite vidéo sponsorisée, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à les mettre en wishlist, ça aide aussi la chaîne. En tout cas, moi j'ai adoré la découverte, petit bémol, c'est qu'il n'y a pas encore de traduction en français, mais pour le reste, c'est vraiment très prometteur. La démo en plus est assez longue, donc je vous invite à la tester vraiment à fond si le jeu vous intéresse. Allez, le temps de brancher le micro casque et on lance le jeu. Et nous voilà donc en jeu les amis, Knights in Tight Space, c'est comme indiqué, c'est la démo, donc foncez-y, lien en description, vous pourrez aussi mettre le jeu en wishlist si le concept vous intéresse. En tout cas moi j'aime beaucoup la direction artistique, vous allez voir, elle est particulière, elle est léchée, elle est dessinée, on dirait une vraie bande dessinée, bref c'est ultra pop. On va faire play, on va peut-être quand même se faire une new game et on va surtout se lancer le tutoriel pour que je vous explique un petit peu les règles. On va se mettre sur Brave, c'est la difficulté classique, elle a pas mal de difficultés. Et voici un petit peu les personnages qu'on va pouvoir jouer durant cette démo, le cléric et le rogue, voilà, qui ont des styles de combat différents, et d'autres seront débloqués quand le jeu avancera dans le développement. Je pense qu'on a une espèce de berserker ici, ça je sais pas trop quoi ça ressemble, une espèce de gars à l'épée, à la rapière, peut-être un espèce de druide on va dire, un archer, un mage, et puis peut-être un prêtre. Allez, cléric, c'est parti. Donc le cléric, bonne combinaison entre le combat classique corps à corps ainsi que les dégâts de magie. Et il a un deck de 10 cartes de base, dash, slip, quick kick, etc, etc. Ça on va regarder ensemble. Donc c'est parti, on va faire le full tutoriel, comme ça je vais vous expliquer un petit peu les bases du jeu avant de se lancer. Alors on arrive, comment ça fonctionne? Dans le jeu, c'est un jeu au tour par tour, tactical, avec du base, du deck building, pardon. Donc on peut, voilà, naviguer autour de l'arène. L'arène est quadrillée, comme vous le constatez. Notre personnage est là, l'ennemi est ici. Donc là il me dit, hop, tu peux voir un petit peu ce que tu as dans ta main, tout simplement tu passes ta souris sur une carte et tu as le descriptif. On va essayer de faire le son du jeu. Voilà, on s'entend plus parler avec la musique. La musique est très bonne, mais elle est un peu forte je trouve. Allez, on va donc faire comme indiqué. Donc on a ici le Spinning Back Fist qui consomme 2 points qui sont là, les points ici de ressources, et qui peut faire un certain nombre de dégâts, donc 15 points de dégâts, damage and blow to cart, range 2. Donc tu as range de 2, donc je peux attaquer le squelette à partir d'ici avec ce sort. Il n'est pas mort, il avait une armure. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous rappelle? On nous rappelle que, oui, là, cette ressource-là, c'est le momentum. Donc le momentum, c'est l'espèce de mana, en fait. Mais du coup, j'ai plus le son du jeu, c'est con. Je vais le remettre, enfin, parce qu'il est trop bien le son. Ok. Le momentum, c'est la mana qui va se régénérer après chaque round. Et certaines cartes demandent donc du momentum pour pouvoir être lancées. Là, par exemple, on a un focus. Hop, je clique dessus, je gagne un momentum, un point de mana en gros, et je peux donc utiliser ma jump attack, une attaque sautée, sur laquelle je peux donc balancer un coup de sabbat sur mon ennemi qui est ici. Et ensuite le job qui est ici, 5 damage et qui fait gagner un momentum. Hop, et là on a explosé le premier ennemi. Donc on a appris à combattre avec ces cartes en mode deck building. On va arriver maintenant sur une nouvelle phase où on explique que ça, c'est l'indication que vont nous dire que les ennemis vont apparaître. Donc on termine notre tour, on voit qu'il y a un ennemi qui est ici, ah l'ennemi qui est là. Alors ce qui est assez intéressant avec le jeu, la touche Alt nous permet d'avoir plein d'informations, donc point de vie bien sûr, point de dégâts que ce soit au corps à corps ou à distance, et le 2 je sais plus ce que c'est, ah c'est le tour de jeu, donc il y a moi, ensuite il y a ok. Alors à savoir une chose aussi, c'est que ce personnage là, il va armer sa frappe avant de combattre, donc par exemple, et avant son combat, il va tirer tout droit. Par exemple, si je fais un front kick sur lui, il arrive dans la ligne de mire de celui-ci, et avec un peu de chance, il va prendre les dégâts de l'ennemi. Voilà, il a pris les dégâts de son collègue. Donc là, c'est parti. Donc maintenant, c'est à moi de faire le clean la zone. Donc on a pas mal de choses
qu'on va pouvoir faire. Là, j'ai un jab qui est là. Hop, on va essayer de l'exploser. On va pas l'avoir, mais si, on l'a eu. On va réussir à l'avoir. Et là, une chose à savoir aussi, c'est que l'ennemi qui est ici, il est au bord d'une falaise. Et avec un front kick, on devrait pouvoir, voilà, le foot hors combat et le tuer. Donc ça aussi, il faut jouer avec le décor. Et c'est ce qu'on va voir dans cette troisième salle. Donc dans cette salle, on va voir qu'il y a pas mal de cartes. Il y a la carte Option Play. Donc il y a des cartes qui te permettent d'avoir deux actions. Là, celle-ci te dit soit tu bouges de deux cases, soit tu mets 9 damage. Tu vois. Donc là, par exemple, je prends ça et je vais m'approcher de mon ennemi. Ensuite, il y a des cartes qui font des mouvements. Vous voyez ? Là, cette carte-là, la Head Smash, elle va faire un mouvement. Et c'est indiqué dans la description, Target will turn to face attacker. En gros, la cible va tourner vers l'attaquant. Regarde. Hop, je prends mon Head Smash, je tape sur l'ennemi et bam ! Donc ça, c'est une chose à prendre en considération. Vous allez pouvoir jouer avec l'environnement, faire des mouvements de combat. C'est-à-dire que bah, vous allez pouvoir, par exemple, fracasser la tête de quelqu'un contre un mur ou l'envoyer à travers la map. On a un bloc aussi, voilà, le bloc, vous avez compris. Ça nous rajoute de l'armure pour le prochain tour. Donc là, on a un push. On peut le foutre par-dessus bord. Et on l'a tué. D'autres ennemis vont arriver. Un petit ici et un plus gros, il me semble, un peu après. Ok, qu'est-ce qu'on nous explique aussi? C'est à chaque fois qu'on fait une attaque correcte, on gagne des points de combo qui sont là. Et certaines compétences demandent des points de combo. Donc là, on va essayer de dasher pour aller près de l'ennemi. Là, on voit que j'ai pas assez de points de combo pour pouvoir balancer ce truc-là. C'est pas grave. On a cette carte-là, la Jolt, qui me fait gagner 2 points de combo instantanément. Et là, je peux balancer mon Left Shunt. Et regardez l'action que ça va faire. Je l'ai explosé la tête contre la table. Là, je le contre. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu de deck building tactical avec beaucoup, beaucoup d'options. On nous explique qu'il y a des maps, cartes qui permettent de grapper. Le grappe qui est ici. Donc tu sélectionnes ton ennemi et ensuite tu sélectionnes où tu veux l'envoyer. Donc imaginons ici. Bon, derrière. Hop. Voilà. Je l'envoie derrière. Et ainsi de suite. Ok. Donc on a vu un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de deck building. Et je sais pas, on est encore dans le tutoriel. Là, on va vous apprendre à jouer notre personnage spécifique. Vous savez bien qu'on joue cléric. Le cléric peut jouer donc avec les bras, avec les mains, comme vous avez pu voir juste avant. Il va donner des coups de poing, des coups de pied. Mais aussi, il peut porter donc cette masse. Et il va pouvoir avoir des actions, hop, c'est indiqué ici, à la masse. Donc là, j'ai un long strike à la masse que je peux balancer sur mes ennemis. Et ensuite, j'ai des choses qui sont à la main, au pied. Le front kick, par exemple, qu'on connaît déjà. Donc il va falloir jouer avec tout ça, j'ai même un coup de shot, et j'ai même de la magie. Regardez, là on a une fireball, je peux balancer donc, hop là, la fireball sur mon ennemi. Donc là on connaît notre cléric, et là il te dit que pendant l'aventure tu vas pouvoir jouer avec plusieurs autres personnages. Ah oui, ça c'est bien, c'est une chose que je vous ai pas encore raconté. En gros, vous allez pouvoir créer des parties, des équipes sur mesure. Donc là, on a un brawler par exemple. Donc il t'explique, le brawler, il a telle carte, telle carte. Chaque personnage a son propre deck. Hein. Ça, faut le savoir. Hein. Chaque personnage a son deck. Donc voilà. Allez, on va attaquer le brawler. On va mettre un quick strike. Hop, hop. Et là, on a un bonus parce que mon coéquipier était à côté de l'ennemi qui était attaqué. Je prends mon hunter. Il est là. Et mon hunter, qu'est-ce qu'il peut faire? Il attaque à distance. Très bien. On va prendre le brawler. Il veut que je le fasse bouger. On le fait bouger ici. Maintenant, j'y mets un front kick. Et regardez, normalement, on va le pousser. Et il va se retrouver pile en face de mon archer qui va tout prendre. Et là, le jeu me laisse tout seul. Il me dit, maintenant que tu sais tout, on te laisse gérer. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a un gros personnage ici, un Big Knight. Il va faire une attaque, je pense, de face prochainement, on va faire gaffe. Donc on va se concentrer. Qu'est-ce qu'on a comme carte jouable? Je vous ai dit une bêtise, les cartes sont disponibles pour tous les joueurs. J'ai Long Strike, ça c'est du CAC, j'ai du Shift. J'ai un Focus, et ben on va changer de tour. Alors attention, vous voyez là, on voit effectivement que l'ennemi va préparer une attaque cyclique en face de lui, donc on va essayer de bouger notre personnage. On va le dasher comme ça. Et voilà, comme ça il a esquivé la situation. Ça c'est fait. Est-ce que celui-ci on peut pas le mettre? Non, par contre l'archer. L'archer on peut lui faire un step là. Et on va pouvoir lui foutre des quick shots. Et un.
et 2. Voilà. Et là, on n'a plus de cartes à jouer. Next. Attention. L'archer dans la cible de l'ennemi. On a un long strike. On a un shift. Donc ça, on peut faire. Hop, on shift. On est tranquille. On va même faire une attaque de catch. Hop, c'est bon. Et on va même faire un front kick. Et on a un petit replay. Et on a une attaque longue. Et voilà, on l'a eu. On a terminé notre tutoriel. Une fois qu'on finit une mission, on va te dire que tu as gagné tant de points de level, etc. Et tu as un score. Donc on a débloqué en plus une nouvelle carte. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais ici, ma belle? Je pense que ça doit se voir. Mais comment t'es rentré ici? Mais c'est pas ça la question, c'est pourquoi je suis là? Mais je préfère pas savoir. Allez, combat. Allez, nouvelle quête, c'est parti. Là, on arrive dans le vrai monde avec la campagne. Donc on peut regarder un petit peu les infos, on s'en connaît. La view party, on peut voir donc quelle est ma partie. Pour le moment, je suis toute seule. Ma belle Durandal qui est ici. Elle va pouvoir être linkée avec 12 autres personnages. On voit les statistiques. 35 de vie, 0 d'armure. On peut voir un petit peu ses buffs, notamment plus de 25% de damage sur les ennemis surnaturels. On peut changer aussi de l'équipement. Donc là, elle a une masse de tier 1. On pourra mettre un item et un body. Ok, et pas d'artefact. Et le deck, il est là. On peut voir toutes les cartes que j'ai avec mon équipe. Alors, Zou, on commence là. Something Rotten. One of the Classic. Privy. Et ben, on y va. Premier combat. Premier vrai combat de la campagne. On se fait directement encercler dans les toilettes. Médiéval, comme vous pouvez le constater. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de se faire qu'est-ce qu'on a de beau? Ouh. Course one pushed in all directions. Sleep. J'ai 3 points. Move. Non. J'ai un quick block que je peux me mettre. Dilui damage, gagne plus de damage. Ouh. Ah, par contre, je peux pas claquer. Il faut effectivement cette ressource-là. Bon, mais écoutez, on va faire un quick kick. Je vais faire un ground pound. Et. Bah, je peux plus slipper comme un idiot. Bon. J'ai fait le foufou. And. J'ai pris les dégâts, bien sûr. Attention, ça arrive en masse. Alors, PV 10. Ils sont costauds. Ok. Lose all block. Deal 5 damage sur le caractère. Friendly fire. Ça, c'est pas idiot, ça. Ça, je balance des dégâts à tous les ennemis. Donc, on a un 17. On a un, pardon. Un 14, 14, 9. Taper dessus encore un peu. J'ai un dash, on va essayer de dasher pour s'écarter un petit peu des ennemis. Ok. Ah, ça arrive, mais vraiment en masse de ouf. Je vais peut-être mourir sur ce premier combat, il y a trop de monde. Attention, là ça devient compliqué. En plus, on a un gros machin là. On va balancer un slip, ça a un point. On va faire un ground pound. Voilà. Comme ça, tout le monde prend des dégâts. Il y en a un qui a été bazardé, ce qui m'arrange pas du tout finalement. Mettre un bloc, bah, c'est un point, bah, on va slipper par là. Ok. Ouf. Et effectivement c'est l'autre qui a pris les dégâts de son collègue. Ça marche. Alors attention, il va refaire la même. J'ai un dash disponible pour bouger deux cases. 5 PV. J'aimerais bien fumer un type avant quand même. J'ai un point là. Ou sinon je le pousse, hein, simplement, regardez. Hop, voilà. Je l'ai poussé, normalement, il me fait plus ses dégâts, hein, simplement. Hein. Tiens, on va faire 8 damage là-dessus. Et là, il me reste 2 points. Super. Lui, on va le terminer. Il me reste plus qu'un seul point. Lose all block. Ah. Non, 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 non. Je vais dasher pour esquiver un petit peu la situation. Ok, c'est pas mal. On a repris un petit peu le contrôle sur ce combat. Bon là j'ai quand même un gros bonus que je peux claquer sur le gros là par exemple. Ok, il me reste 3 points de disponible. J'ai une heavy. Ah ça c'est bien. 16 points. Allez on termine celui-ci. Ça c'est fait, il reste plus que le gros. On va slipper. On va slipper là. Voilà. On esquive tranquille.
Et là, il lui reste quand même... Ah, il y a 6 armures, 15 PV. Alors, on va l'attaquer, regardez, comme ceci. Et on va le pousser par la suite avec un quick kick. Qu'est-ce qu'il lui reste? 4 PV. Bon, je vais me soigner avec ce qui me reste. Je sais pas si la vie régène entre les parties, entre les combats. Et puis là, on va essayer de tout donner. Hein. Allez, le quick. Ah merde, quel idiot, je suis trop loin. Bon, le groom pound, ça devrait suffire, je pense que là. Non, c'est pas ça. Ah, je pense que si je vais devant et je le touche avec mon palm strike, il meurt quand même. Voilà, c'est terminé. Ça, c'est fait. On a gagné, on a pris 9 de dégâts, quelques pénalités, même pas. Next. Ok. Complete the fight within 6 turns. Ok. T'as des espèces de bonus et ça te rapporte de l'argent en plus. Cool. Je sélectionne ma reward. Soit le step pour marcher d'un pas, le flourish, the quatrième melee weapon attack, deal... Ah, c'est pas idiot ça. Le hammer bow, deal 4 damage plus 1 damage per combo. Ah, c'est pas mal ça, ça maintient la distance. Allez, je prends ça. Prochaine journée d'après à la taverne. Ah ouais, merde, le château de la baronesse, etc. Sure. Ah, je pense qu'on va commencer à peut-être recruter quelqu'un. Voici le spy master qui est ici. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de personnages, une petite histoire sympa. Bon, pour le moment, c'est pas traduit en français. C'est dommage. Ok. Donc, prochain combat, les squelettes avec des squelettes warriors, squelettes warman, etc. On est sur le pont qui mène à la prochaine ville. Attention, on est complètement encerclé déjà par les squelettes. Some of voids are overrally. Ah. Alors attention, tu peux balancer les gens par-dessus bord. Ça, il faut garder à l'esprit que ça peut être dangereux. Il peut y avoir des morts, des morts assez rapides. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, ils sont pas trop de PV non plus. Hein. On va tenter. Ah, ils sont super naturels. Donc je pense que je dois avoir des bons bonus de dégâts, effectivement. Cool. Écoutez, je vais me slip là. Et je vais me soigner. Ok, c'est bon. Ah, oh, ça arrive de partout. Oh, on va être un peu rapidement pris. Ok, il y en a qui a un PV. Est-ce que j'ai pas un truc qui touche tout le monde? Ça peut être bien. Bon, bah, ça sera un quick kick. Hop, ça c'est fait. Ensuite ici, 14 damage. Ça c'est fait. Attention, lui ça va être un gros. Lui. Ouais, Skeleton Warrior. Les autres c'est des fighters. Et j'ai plus de points, donc je vais me mettre un petit bouclier. Les approches doucement, mais sûrement. Ça va, pour l'instant, c'est facile. Alors ça, c'est pas mal. Ça donne 5 dégâts à tout le monde. 6-6. Est-ce que je peux en tuer un? Non, ça le fera pas, mais je vais le repousser, lui. Et je vais mettre un petit bloc. Et ça sert à rien que je dash parce que je serai entouré d'ennemis. Ok, j'ai pris une tatane, c'est pas bien grave, ça arrive au meilleur. Bon, celui-là on le termine. Celui-là on le termine. Il reste plus que le gros. Qui est en train d'arriver. 8 points de dégâts, 4 armures, 10 de vie. On a la palm strike. Ça c'est cool. On va faire ça. Hop, j'arrive, je lui fous une petite palm strike dans les dents, il me reste 2 points à mettre. J'ai mis un quick kick. Et je l'ai déglingué. Et voilà, qu'est-ce qu'on récupère là-dessus? Nouvelle carte. Et on va choisir quoi? Bon, j'ai le jab, le quick shock, distance. Allez hop, c'est prêt, c'est fait. Voilà les amis, la découverte gameplay de ce superbe jeu, Knights in Tight Space. J'aime beaucoup le concept, si on arrive à la taverne où on peut choisir une carte, il y en a une qui est offerte ici, on peut recruter quelqu'un, j'ai assez d'argent, donc soit un sorcier ou soit un chasseur. Et ensuite, on va pouvoir donc partir en combat à plusieurs. Lien en description si vous voulez tester, la démo de ce jeu, si vous voulez le mettre en wishlist Steam et compagnie. À très bientôt, pour ça, de vous, bye tout le monde, c'était Gaz.